Bon, on a hâte, on aime bien en tant que footballeur jouer des matchs comme ça, donc on a hâte d'être à demain, on a bien travaillé cette semaine. Maintenant voilà, on n'a plus le droit à l'erreur chez nous. Demain c'est un gros match et on sait qu'il faudra prendre les 3 points à la maison. C'est pas une pression particulière, mais après c'est sûr que il faudra prendre les 3 points parce qu'on a perdu beaucoup de points à domicile depuis le début de la saison. À Grenoble, ça, on va dire que c'est un bon résultat, mais c'est un peu décevant. Vu la manière des choses, comment ça s'est déroulé, parce qu'on mène 1-0 jusqu'à la fin, donc c'est un peu décevant, mais voilà, demain on a hâte, vraiment tout le groupe a hâte de enfin gagner à la maison et commencer bien ce championnat. Être rigoureux, mais ça c'est dans les deux surfaces, parce que contre Grenoble aussi on peut tuer le match, notamment moi j'ai une belle occasion pour tuer le match, donc il faut être rigoureux dans les deux surfaces, concentré et. Voilà, quand on rentre sur le terrain, des morts de faim, surtout à la maison et face à un adversaire comme Lens, pardon. Faut avoir les dents longues et rien lâcher jusqu'à la 95e minute. Bien sûr, on peut s'appuyer, on a fait des bonnes choses face à Lens en coupe, donc faut s'appuyer sur les bonnes choses de faites et corriger ce qu'on a fait de moins bien. Mais voilà, on connaît cette équipe, on sait que c'est une très très bonne équipe de Ligue 2. Donc voilà. Demain, il faudra tout mettre en œuvre pour essayer de ne plus faire d'erreurs et ramener 3 points.